est parti chercher les pierres. Voilà où est-ce que je voulais être, je pense. Alors voilà. Salut tout le monde. On est à l'endroit des pierres. Oh là, il y a peut-être la musique qui va un peu fort. Voilà. On est à l'endroit des pierres et on va se mettre en quête pour chercher quelques pierres. Hein. C'est ici l'endroit. Mais ça, c'est un endroit secret. Et bien voilà, j'ai déjà trouvé une dizaine de pierres. Je vais chercher la camionnette et je vais les charger. Voilà. On est en plein bois domanial du côté de Vielsalm. Un endroit fabuleux. Dans une pâture ici derrière, il y a un vieux pote qui fait encore des huttes apparemment, j'ai été voir, il y avait même du feu. Et donc voilà, on va charger déjà ces pierres-là et puis on va continuer notre prospection. On va essayer de ramener 60, 70 ou 80 pierres. Et puis on pourra faire la hutte bientôt. Ah bah c'est parti, hein. On est parti. Pour elle aussi, un petit peu de tabac. Voilà, il suffit de chercher quand on sait où chercher. Voilà, j'avais envie de marquer l'endroit et le remercier. Et une des manières de remercier, outre le tabac, c'est de faire un petit cercle de pierres. Donc il y aura 16 pierres. Plus 4 autour pour les 4 directions. Une au centre pour la terre. La 16e pierre pour terminer le cercle. Et une pour le ciel qui vient terminer et couronner le tout. Et les 6 pierres qui sont là, ce sont les 6 pierres qu'on dispose dans la hutte pour le premier ronde. À l'ouest, au nord, à l'est. Au sud, la terre et le ciel. Parfois, je rajoute encore une 7e pierre pour le pouvoir du cœur. Je ne l'ai pas encore trouvée. Peut-être que je viendrai rajouter une 7e pierre tout à l'heure quand je partirai pour remercier cet endroit de m'avoir donné d'aussi belles pierres pour les huttes à venir. Et voilà la 7e pierre, d'ailleurs qui ressemble un peu à un cœur, pour le pouvoir du cœur. Important. Oh, mais t'as connu ça.